Et salut tout le monde, c'est Firecoax et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 11, oui, 11 de Starbound, si je me trompe pas. Bon, si ou certainement vous l'aurez vu, cette semaine le planning avait changé dans la, sur la chaîne. Et sauf que, bah bon, Starbound ça a pas changé, ça reste le dimanche après, mais c'était bon, l'autre let's play sur Metro Last Light qui était sorti ce matin en fait. D'hier après-midi on va dire, puisque voilà, il avait bien elle avait déménagé, il avait pas sa connexion internet, alors le temps qu'il déménage tout ça, qu'il la retrouve, c'est bon. Alors là au moment où je le tourne, il l'a retrouvé. Alors dès demain, enfin comme l'avait dit Zone Piste dans la vidéo annonce, l'actualité de la chaîne va reprendre, c'est à dire lui grâce à lui on pourra faire les séries en multi, reprendre un Kingdom et la série sur Minecraft, et ces let's play en solo reviendront aussi. Alors c'est pour ça, tant mieux, c'est fait, on n'en parle plus maintenant, on peut reprendre l'actualité de la chaîne, on va dire. Bon, la dernière fois on s'était laissé, je vous ai montré ah oui, le temple, enfin le donjon glitch avec le fameux Matter Black, et où ce fameux, voilà, on a déjà pas mal, on a plus 14 quand même. Et je voulais vous montrer ben, un endroit, sauf que quand on allait sur la lune, ben, c'était dangereux, hein, j'avais trop froid. Mais bon, maintenant on s'en fout. Je vais prendre le truc. Ah, là je suis allé dans le secteur Delta. Normalement le boss est dans le secteur Delta, le quatrième secteur. Alors j'ai choisi ce secteur, ceux qui veulent le retrouver, il s'appelle The Delta, Delta, machin, 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 machin. Et là, il y a une planète qu'on n'a pas vue encore. Enfin plusieurs planètes, biome de planètes je veux dire, qu'on n'a pas vu encore. Alors moi je suis allé déjà ici là sur la sixième planète. Bon, la sixième planète c'est une gazeuse, mais bon on s'en fout. C'est les biomes magma et volcanique, c'est pour ça. Et sauf qu'il y avait le biome savane que je vous avais pas montré. Alors c'est pour ça, je me suis mis là-dessus et on va faire le boss sur cette planète. Juste avant, vous pouvez voir que j'ai fermé les pixels et que j'ai peut-être prendre les diamants, ça sera tout. Hop, je vais faire, si vous avez compris, la drill en diams. Ça, on n'en parle plus. Ah, fini. Le mec il est refait quoi. Voilà, je m'excuse, je suis un peu enrhumé là cette semaine, je sais pas pourquoi. Je l'avais pas annoncé dans Métro, mais on s'en fout. On s'en fout. Alors, j'ai déjà visité cette planète, il y avait pas grand chose d'intéressant. En tout cas le lieu, on l'avait déjà vu, alors voilà, on s'en fout un peu. J'ai trouvé 3 maisons de wizard, il me semble, quand même, c'est déjà pas mal sur une planète de cette taille quand même. Bon, ouais, il m'a rien looté, ça m'a bien fait chier. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à looter, que ce soit l'épée ou... Alors, vous inquiétez pas, oui, il y a un biome neige sur la biome savane, faut chercher à comprendre. On s'en bat les steaks, on va aller un peu plus loin. Ah oui, j'ai une nouvelle épée aussi. Je l'ai remplacée par rapport à... Ah, puis vu que j'ai fait le tour, oui, putain, faut que j'explique. J'ai trouvé ce fameux chapeau... Ah, vous avez vu ce qu'il fallait pas voir, bon, ça, je vous expliquerai après. Un chapeau. C'est la première fois que je le trouvais, hein, le Fancy Hat. Il y a une tenue entière avec celle-ci. Souvent, ceux qui sont bleus, les tenues rares, normalement, il y a un set tout entier. C'est-à-dire tout le corps et le dos. C'est pour ça. Et là, j'ai gagné bah, la fameuse comment dirais couronne, ouais, chercher le nom. Alors que si on la met en premier, vous verrez, hein, je vais utiliser tout le pouvoir. Hop. Regardez à la vitesse que le mana remonte quand même. C'est impressionnant. C'est pour ça que là, quand on débute le jeu, qu'on voit déjà un petit château ou juste avec le roi glitch dedans qui est capable de vous looter. Enfin même un château entier avec les gardes. Si vous avez la chance de vous faire looter cette couronne dès le début, ben c'est franchement pas mal. Pour moi, elle me sert à rien, là je la mets en esthétique, hein. Je n'ai pas les propriétés actuelles, on va dire. Mais bon, c'est déjà le style. En fait, là je suis déjà comme mon ancien perso, j'ai déjà la couronne et la cape du héros. Bon, pas la dernière armure encore, mais bon. Elle est pas mal cette épée que j'ai loot. Mais je crois que c'est même le roi qui m'a loot aussi. C'est pour ça, il m'a looté 2 objets, très sympa de sa part. Une épée qui fait assez mal, qui fait du feu, et si on clique droit ça fait l'électricité. Oh oui, alors le biome savane, ça... Il n'y a pas...
on voit pas le décor affiché. On va dire que ça ressemble un peu au biomaride, hein. C'est vraiment sec, il n'y a pas grand chose d'exploitable, on va dire. Enfin, c'est très rare, c'est un truc à exploiter. Alors moi, ce qu'on va faire, hein, j'espère que je vais pas trop me fail. Ah non, attendez, je vais juste... Je vais aller chercher des sacs de médecins. Sur les sacs de médecins, au moins, ça vous redonne toute la vie en un seul coup. Et ça, c'est pas mal. Je prends toutes les trucs. Ça, tu dégages. Je vais faire tac tac. Ah, et aussi, j'ai gagné une arme rare aussi. Je vous montre ce qu'elle fait comme propriété. On verra ça. Je vais juste ranger ça. Ah, c'est pas ici. Je me trompe tout le temps. Voilà. Bon, on y retourne. Ah, va voir boom. Fuck. Je suis gouré. Il faut que j'y retourne. Attends, j'ai même pas fait encore. Ah, j'ai pas continué l'agriculture, on va dire. Parce qu'il me semble que j'ai trouvé des nouveaux sites depuis. Et voilà, c'est que... Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça tire une petite grenade, on va dire, qui reste en l'air et hop, voilà, un moment, elle explose. C'est la première fois que j'en trouve une comme ça aussi. Très intéressant. Ça change. Je crame. Alors, on va vite retrouver où on était. Je vais mettre aussi là. Parce que le boss qu'on va affronter, il est pas mal chaud, hein. Je tiens à le préciser, ça va être un peu tendax. Je slip. On met fou bouffe. Je vais peut-être mettre le piège, ça serait pas mal. Les torches, on s'en bat les steaks pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ah, bonsoir le paquet de chips. Je pense que c'est des chips. Je pense. Bon, j'espère que je suis prêt, hein. Je pars de ce côté, sans moi. D'accord, j'ai de la pluie. Alors, hop, j'accroule le premier œil. Si je le tout touchais, ça serait pas mal. Hop. Ça, ils sont très chauds. J'aime pas trop ce boss, c'est un peu plus geste, ces enculés. On a de la régénération. Hop. Voilà. Déjà, un des deux yeux de fait. Bon, maintenant, là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'essayer de passer... J'en ai 8 tours, c'est bon, j'en ai pas 8. Je remets de la régénération, je vais passer de l'autre côté. Il est parti où l'autre? Attendez. Ne dites pas qu'il est parti en haut là. Attendez. What? Hop, on va faire gaffe aux petites boules. Boule, ça fait très très mal. Je te démonte. Je comprends pas où il passait le dernier œil. Enfin le deuxième, j'ai pas compris là. Putain, je l'ai chopé sur moi. Bon, ça va, je pense que je t'en ai à pire. C'est la première fois que je le bats comme ça, d'habitude je fais exprès de le bloquer, on va dire. Pour être tranquille. Ah, voilà. Quand même, je rate la vie. Je sais pas du tout où est passé l'autre. C'est ça que je comprends pas. À moins qu'il est derrière, en fait. Ça se trouve, il est juste derrière le boss. C'est pour ça que je le vois pas. Ah non. Bon bah attendez, on l'a battu, mais ce que je trouve bizarre, c'est que je trouve pas l'autre. Pas le deuxième œil. On va le chercher là-haut. Là, c'est vraiment la phase là. Hein.
pense qu'on l'aurait bien vu, il y avait bien deux yeux. Enfin, deux oeil. Non, bien vrai, il n'y a rien. What? Aïe. Faites pas peur, vous. C'est quoi ce bug? C'est quoi ce gros bug? Il a complètement disparu. What? Attendez, c'est bizarre ça. C'est pas censé se barrer comme ça normalement. Si vous êtes bien d'accord avec moi, j'ai affronté un seul œil et pas l'autre. Moi je l'ai buté mais non. Ah non, c'est le temps que j'ai mis pour buter le premier. Ouah. Phase. Je comprends. Truc qui va pas là. Non. Bon bah tant mieux. Voilà, hein, ça c'est fait. Ouah, mais c'est la phase. Bon allez, on va prendre le livre. Je vais montrer l'histoire du boss, hein, comme j'ai fait à chaque fois par rapport au boss. Jelly. Raid Selection. Je vous laisse faire pause, hein. En vrai, il doit avoir 5 pages comme d'hab. Voilà. Hop. Ah non, attendez. Ah non, c'est bon, ouais, je me dis où. Non, c'est 5. Bon, voilà, bon. Alors, enfin battu, hein. Alors, maintenant, on a cette merde. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Je me demande à quoi ça va me servir, maintenant. Il faut que je retrouve où c'est, monte. Qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est quoi là-dedans? Je ne sais plus, en fait, c'est le secret. Ça ne pas. Non. Attendez, je ne sais plus ce que je dois faire avec ça. Voilà. À moins que ce soit ici. Que je réfléchisse. Je suis censé créer un truc avec normalement. Ah putain, c'est ça, d'accord. Ouh, on va chercher, hein. T'es dur à Stelbert? Fuck, j'en ai pas assez. Ah, je suis blessé. Ils m'en font combien? Ils m'en font combien? Je pense que je vais devoir éliminer. J'avais pas prévu. C'est pour ça que j'ai pu penser à cette merde. Je savais qu'il fallait faire ça, mais je savais plus c'était quoi. Là, j'ai du mal à le trouver, alors c'est pas grave. Allo? Ah, il m'en faut 40. La phase. C'est du titanium en plus. Ouais, bah c'est du titanium, c'est des Durastel. Oh! Pas trouvé? Bon, bah écoute, je vais faire une petite ellipse, hein, le temps que j'aille fermer le titanium. Putain, j'ai complètement zappé, je pensais pas que ça te demandait où. Ah bah oui, c'est 40 UV, ceci. J'avais complètement zap. Bon bah voilà, je vous retrouve juste après, le temps que j'aille miner les derniers, dernières ressources. Ah, tout de suite. Et voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour, bah, pour créer le Tacubrad, c'est-à-dire le Durastel, alors c'est-à-dire pour... qu'on aura atteint, bah vu qu'on a atteint le secteur X, c'est-à-dire que maintenant ça sera plus par rapport à un loot de boss comme là c'était le dernier truc qu'on a looté,
Endomorphic Jedi, hein, d'après le boss. Maintenant ça sera que à base de minerai, c'est-à-dire au moins 40 lingots à chaque fois du nouveau minerai qui se trouvera sur certaines planètes. Pour ça c'est le secteur X, c'est vraiment la dernière ligne droite on va dire. Il y a plusieurs niveaux mélangés, vous allez comprendre vite fait ce que je veux dire par là. Alors hop, ouais secteur X. je suis Marto. Alors attendez du temps. Ouais sans magma. Hop, ça je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble magma, c'est plus stylé que le volcanique je trouve. Alors maintenant on a débloqué le secteur X en haut. Là vous dites voilà quoi, je suis encore level 4. Pourquoi il n'y a qu'un dernier secteur et pas jusqu'à 10, bah, secteur en haut. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du secteur X, vous avez 6 levels en même temps, c'est-à-dire le level 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ah c'est pour ça. C'est vraiment la phase de dernier. Tout en sachant que il y a une upgrade bah, tous les levels on va dire. Alors un coup c'est un nouveau minerai, après c'est un alliage avec ce minerai. Après vu que ça fait déjà deux fois un nouveau minerai avec après l'alliage du minerai. En fait, il y a encore 3 minerais, 3 nouveaux minerais sur les prochaines planètes. Sauf que pendant deux fois, la première fois ça va être du normal, et la deuxième fois pour le level 5 ça va être un nouveau minerai je veux dire. Et pour le level 6 ça va être le même minerai, mais avec du charbon, c'est-à-dire un alliage comme le Durastel là que je viens de faire. Ça va être décomposé en deux fois on va dire pour les upgrades. C'est pour ça que ça va être un peu long. C'est pour ça la suite va. Prochain épisode ça va être pas très passionnant. Je pense que de toute façon ça va se passer en 3 épisodes. Le temps que je monte les minerais tout ça. On va faire 3 épisodes, ça fera 2 levels. Enfin à chaque fois un épisode de 2 levels. C'est-à-dire la prochaine fois là je suis encore level 4. D'ici là prochain épisode à la fin je serai déjà level 6 ou le level 5. Cela. Si on regarde maintenant, vous voyez, ça c'est l'IGS, ça c'est la dernière que j'ai fait le Durastel. Maintenant, il demande de l'IGS bar. Alors celle-ci, je serais même pas obligé de la faire. C'est pour vous dire en fait, il y a plein d'armures, il y en a 10 en tout. Sauf que le problème, ça on s'en fout, je vais directement faire la IGS. Ce que je vais faire, je vais chercher directement les minerais, 80 minerais, c'est-à-dire pour faire 40 lingots. Hop, je fais l'upgrade. Vu que je sais que le level 6 ça va être encore le même minerai juste qu'avec ça sera avec un alliage. Cette fois-ci je pourrais choper je pourrais faire l'armure on va dire. L'armure spéciale pour me protéger. C'est pour ça la prochaine armure ce sera level 6, après level 8 et après level 10. Je serais pas obligé de le faire tous les levels. Sinon c'est tout ça, ça va être trop long, je vais mettre trop longtemps enfermé. Pour le coup je vais montrer une vidéo, après ça va être un peu la merde. C'est pour ça, pour ça au moins, ça sera plus simple. Alors moi je vous propose pour la fin de l'épisode, voilà, on s'est fait la base. On va aller visiter la planète Magma, le biome Magma, pour ça au moins. Ça va changer un petit peu. Oh, stylé. C'est la première fois que je vois ça. Ah putain, faut choper du poison. Bah. C'est bien ma veine. Bon là on voit pas encore le minerai, là je suis pas dans le secteur X, c'est normal, n'inquiétez pas. On verra bien plus tard. Dégagez. Ah c'est sûr que... En plus là ce qui tombe bien c'est que j'ai déjà toutes mes planètes pour... Ah mais attendez mais ça crame ça cette merde. Putain d'accord c'est une pluie de cendres, enfin un truc comme ça. Ouah c'est la première fois que je vois ça. Franchement c'est joli. Alors ne pas toucher les flammes qui viennent de tomber. Ce qui vole encore ça va mais ce qui tombe au sol, non. C'est chaud. Oui, bah, je pense qu'on avait déjà vu de toute façon un biome un peu volcanique. Sauf que, enfin de style avec de la bedrock partout, des lacs de lave, de la cendre, des blocs de cendre. Sauf que là, c'est juste le fond, hein, comme je disais, de toute façon les biomes, c'est à peu près les mêmes, hein, le même aspect, c'est juste que c'est le fond qui sont... Vu que là c'est du magma, bah toute la planète est en magma, c'est la phase. Volcanique, ben... C'est pas de la lave autour, c'est des montagnes de vol... Enfin des volcans qu'on voit en fond. Bah des volcans tout le long, on va dire. Attention... Ah, fais gaffe aussi à la lave, ça pardonne pas. Je
jamais dit assez, on va dire. Lol, le bruit que ça a fait, ça a dit que ça... Putain, c'est directement tombé sur la lave. On va vite faire le tour. J'espère qu'on va... On va trouver un lieu qu'on n'aurait pas vu. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Oui, pour dire, le biome... Enfin, le lieu que j'ai trouvé sur la planète Savane quand j'avais fouillé tout seul, c'était... C'était un laboratoire Apex. Enfin, laboratoire des hommes singes, on va dire. Alors que c'était le premier truc que je vous ai montré dans cette série, alors voilà. Ça va rien que je vous montre en vidéo. C'est aucune utilité, ça a été déjà vu. De toute façon, c'est tout le temps la même chose, hein, vous inquiétez pas. Des fois, il y a juste l'organisation qui change, mais bon. Ça, c'est pas... Voilà, quoi. Une fois qu'on a vu ça, hein, c'est pas la peine d'y remonter, hein, parce qu'on sait ce qu'on y attend dedans. Il y a juste un truc, quoi, qu'il fallait que je trouve. J'espère que je vais le trouver. Bon, là, c'est... Ça, aussi, on le trouve plus souvent dans le secteur X. Ça, que je vais être en fin d'atteindre le secteur X. Que j'ai déjà chopé tous les lieux. Enfin, j'ai déjà toutes les planètes en réserve pour tous les levels, on va dire. C'est par rapport au biome que j'ai trouvé et par rapport au lieu aussi. Et... Oh, putain, j'ai oublié que c'était des méchants. Et les loot dans les coffres. Surtout quand... Waouh, et touche l'eau. What? Le mec, quoi, il me passe dans la hitbox. What the fuck? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme lieu? Voilà, je vois qu'on arrive là. Ça commence à être. D'accord, la phase, quoi. Deux coffres l'un côté de l'autre. Hop. Bzz, bzz, bzz. Merci, la Drillandium. bon. Il est où le lieu là? Ah oui, est-ce que je l'avais montré? Attendez, je regarde sur ma faille. Non, on l'a pas vu ça, j'avais complètement zappé ça. Bon, bah ça tombe bien, comme ça va finir l'épisode. On a trouvé un tombeau Avian. Oui, c'est Avian, la tête des oiseaux à l'extérieur en même temps, faut pas se tromper. Voilà. Je me suis plus. Parce que j'ai en ce moment en MA, je pousse, n'importe quoi. Regardez la gueule d'être stylé, quoi. Le donjon le plus épique au monde. Donc, pas mal de trucs à fouiller. C'est juste ces oiseaux qui font chier à chaque fois, je les aime pas ceux-là. Ah putain, non, ça j'ai oublié ce piège. Est-ce que c'est ici? Oui, c'est ici. Enfin, gaffe. On va mettre un peu de la lumière. Oui, on peut les récupérer, hein, ces blocs, hein. Tout est récupérable, hein, c'est ça qui est bien. Dégage. Dégage. Non, les sous. J'ai bloqué les accès. YOLO. Il y a pas mal de décorations. Ça fait style égyptien, hein, ici. C'est pour ça, très intéressant au niveau de la déco. Dégage. Hop, hop, hop. Bien fouiller les tombeaux, hop hop, ah. Oh, j'ai loot une épée, attendez, j'avais loot une épée sans la bombe savane. 90. Pouah, mais c'est de la bombe cette épée, quoi. Ah ah. Ah, ah, c'est une sorte de couteau en fait. Mais bien intéressant, c'est la première fois que j'arrive à looter une de leurs épées. C'est stylé, c'est vraiment stylé. Ça me fait toujours marrer le pouvoir électricité ou les repousser à l'infini. C'est date épique. Ah, je pensais pas trouver ce donjon, bah ça tombe bien. Aïe. Calmez-vous. Hop, on va mettre un peu de lumière. Calme-toi. Tac tac, je pille tout. Ah, je loot encore une épée, ça c'est de la merde. Ça dessus aussi je peux la virer, hein. On s'en bat les steaks. J'ai tout pourri. C'est surtout le plus impressionnant. Ah, des os, parfait. Le plus impressionnant c'est ce sigle, ça pète sa mère. Ah oui, j'ai oublié les scorpions. J'ai trouvé les scorpions. Ah, il m'a pas empoisonné, j'ai de la chance. Parce que normalement il peut empoisonner. Pouah, juste qu'il tombe. Excusez-moi, pas la merde. Hop, je
prendre plutôt ça, ça va me cacher des steampacks pour rien. Oh, pas de calme. Tout de suite, gamin. Hop, bon, ça c'est fait. Bon, là on prend rien fouiller. Ne vous inquiétez pas, on va tout fouiller. Hein. Ça, c'est... Non, ça c'est souvent l'allée centrale. Cet endroit là où il y a les. Putain, Chobi qui faisait ce pouvoir lui. Quand on voit les deux escaliers comme ça là, c'est souvent l'allée centrale en fait. Hop, voilà. Tac. Ah, je prends tout, hein, pour faire plaisir. Hop. Voilà, je te chève. Aucune pitié. On poursuit. On peut interagir, c'est marrant. Ah non, je savais que ça bougeait. Ou je comprends peut-être autre chose. Ah, si vous entendez le bruit, ne pas tomber, hein. Voilà quoi. S'il y a des bestioles, on s'en tape. Moi, je veux rester en vie. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, là, jusqu'ici, on a fouillé. Ah, moi, je prends tout. Bon, non, pas, il n'y a pas grand chose qui me sert. Enfin, si, ça va, mais. Même si des fois, voilà. Je suis déjà. Ah, wouh, y a du people. Il y avait du people. Ouais, on commence à être pas dans sur la planète. On entend le bruit qui fait peur. Ou pas. Qui fait même pas peur en fait. Bam. Double kill. Oui, alors si vous voulez des statues ou des trucs spéciaux pour les murs. Là vous êtes servi hein, dans dans le genre d'endroit où ça fait toutes sortes de choses. Bon, ça c'est fait. On va poursuivre par là-bas. Hop, un petit peu de lumière. Je pense à faire avoir de torche. Dégage. What? Je t'ai pas touché. Est-ce que c'est là-dessus que... Je pense que oui, c'est là qu'il y a le... Ah, je préfère jouer la précaution. Hein. Aïe, Atene Motoshai. On a déjà fini? Ah, j'ai eu peur. On a déjà fini de fouiller. Ouais. Tac. On poursuit. Ah, j'ai plus de torches. Hop, je prends une douzaine. Ouais, ce qui me semble, c'était bien. Juste le... Tiens. Il y a que pas mes, quoi. Là y'a rien. Y'a un petit dong ici aussi si vous voulez. Hop. Moi c'est souvent des pixels et des os hein, qu'on recule. Hein. Y'a pas... Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la première fois que je trouve un... Normalement, c'est pas ce genre de truc, c'est plutôt des tombeaux. On peut fouiller. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Intéressant. Vraiment intéressant. J'ai vu une vidéo, vous voyez. Pour ça, j'en ai pas fini d'apprendre pour ce jeu. Hein. Il y aura toujours des découvertes, hein. Ça, c'est sûr. Aïe. Putain, oui. J'avais pas vu. Tac, merci pour les minerais. Tac, je prends tout. On va les steaks. Hop. Non. Aïe. C'est sûr. J'ai eu le temps de. Vous avez la fameuse lampe du génie. Pas mal. Hop. Je me dépêche. Tac. Ce sera encore un épisode assez court je pense aujourd'hui. Bon en même temps voilà ça change des épisodes un peu longs, c'est d'habitude voilà. On va juste remonter, j'ai vu qu'il y avait un moment qu'on était de l'autre côté, il y avait j'ai vu un coffre à un moment en hauteur. On va aller voir ce qu'il y a dedans.
Et on va aller finir d'explorer de nuit, ça sera pas mal. Parce que là j'ai vu que la nuit était tombée. Monte. Et déjà on entend plus la nuit, on entend plus le... Ah ça je comprends pas, ça, c'est la nuit mais sauf que on voit pas... Normalement la lave ça éclaire, c'est lumineux on va dire. Non, non ça va pas éclairer là. J'ai pas compris ce truc. Jamais compris pourquoi ça fait comme ça. C'est pas réaliste on va dire. Ouh. Un flingue rare encore. Bah attendez on va le tester. On va le tester. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Wouah cette puissance. Un mec quoi. Il tire sur une capsule. Avec un putain de... Putain. Ah, en fait ça envoie comme des balles de snipe. C'est la phase quoi. Ah. Bien joué. C'est bon. Oui j'ai tellement de yeux là, c'est hardcore. Bon bah voilà, bon bon je vais pas finir d'explorer. Un peu la nuit. Dégage. Touché gamin. Voilà. Mais non on prend pas feu, je pensais qu'on prend des feux surtout les flammes par terre. Bon bah tant mieux. Tant mieux. Hop, on va monter. Bon bah voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu cet épisode. De toute façon le biome volcanique je vous dis je vais pas vous le montrer, c'est à peu près les mêmes biomes hein, c'est toujours l'obsidienne tout ça tout ça tout ça, c'est juste le fond qui change. Je verrai bien si j'en trouve plutôt dans le secteur X, on verra bien. C'est juste que, en fait, je suis en train de penser, je voulais vous montrer le fameux biome toundra, enfin vous avez le snow et le toundra. Tundra c'est juste pareil, c'est la glace, ça c'est la neige tout ça. Ça que ça caille, enfin non ça caille pas, si ça caille un peu plus que le snow. Ouais je teste les champs d'astéroïdes et pas la lune. Mais je pense que j'aurais froid aussi hein, ça. Pour l'instant ouais la lune et champs d'astéroïdes et les planètes un peu gelées. C'est un peu mort pour l'instant. Le temps que j'ai une meilleure armure, je sais pas quand je pourrais vous les montrer. Voilà j'essaye là la semaine prochaine comme je vous dis on va attaquer le secteur X, je veux dire les planètes prévues jusqu'au level 10. C'est juste que faut que je vois ici quand j'aurai l'armure level 6, est-ce que je peux résister au froid, c'est ça voilà je teste. Ça au moins je pourrais vous montrer un peu bah un peu oui c'est bien ça, ça fait chier. Alors froid alors que je pensais que j'aurais tout. Bah non. Je pensais plus que sur la lune ça faisait ça. Pour l'autre jour hein, bien sûr hein, j'en parle. Bon bah c'est pas grave, de toute façon on verra bien tout ça la semaine prochaine hein, pour la partie 12. Oui la partie 12 de Starbound. Bah voilà j'espère que ça vous aura plu, on a enfin fini avec les boss hein, c'est ouais, c'est vraiment terminé cette fois-ci. Il reste plus qu'à atteindre le level 10 et ça sera pas tout de suite la fin de la série, de là on sera 12, 13, 14, il y a déjà 12, 13, 14 d'assurés, ça c'est sûr, par rapport au level. Et après je pense enchaîner sur la maison, on va peut-être faire une petite maison, ça serait sympa, pour montrer un peu la, on va dire un peu ce qui est important dans le gameplay du jeu, surtout la construction aussi, hein, c'est comme Minecraft ou Terraria, ceux qui connaissent Terraria, moi j'ai jamais joué à Terraria mais bon je sais que c'est la... C'est le même moteur graphique, ça c'est le même gameplay, hein, c'est juste qu'ils l'ont repris en Star Moon. Et voilà, j'essaye, voilà, là, jusqu'à l'épisode 15, pour la maison, j'ai largement le temps de penser à un design, c'est pour ça. Ça me laisse bien 3 semaines. Alors je vais réfléchir à ça dès maintenant. J'y pense, après, j'aurai pas trop le temps. Histoire de, ouais, de créer une petite maison style, je vais essayer de voir si je peux pas caler un peu des éléments de décor, vous avez peut-être par rapport à tous les lieux, on l'a vu, essayer d'instaurer ça, faire des petites des chambres qui spécialisent ces domaines on va dire. Et les biomes, on verra. Je vais réfléchir à ça, vous inquiétez pas. On va se faire une bonne baraque je pense. Il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis
à la semaine prochaine pour la partie 12 de Universe of Starbound. Allez, bye bye les gens.